Salut tout le monde, c'est Maël de Cultmag, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui au Krebs de Wattigny, centre de formation et pôle français, pour le deuxième épisode de notre format La Causerie, un format dans lequel on s'intéresse aux sportifs et à leur discipline. On part aujourd'hui à la rencontre de Mohamed Ali Ben Labib, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur athlète de sa génération de saut en hauteur. Du complexe sportif de Beuvrage au stade de Buenos Aires en Argentine, il a fait la renommée des Hauts-de-France et il est aujourd'hui avec nous sur Cultmag. Mohamed Ali, merci de nous accueillir au Krebs, chez toi, dans ton centre d'entraînement, pour cette interview. Pour commencer, une question très très simple, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, brièvement? Je m'appelle Mohamed Ali Ben Labib, j'ai 19 ans, je fais de l'athlétisme depuis un bon 3 ans et demi, 4 ans, et ma spécialité c'est le saut en hauteur. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, on ressort d'une période assez particulière, confinement, crise sanitaire. Ce qui fait que forcément, du coup, ben, tu t'es un peu freiné dans tes entraînements, dans tes compétitions. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment tu as vécu ça et comment tu as réussi à garder un bon rythme? Parce que c'est important pour un sportif de haut niveau de garder un bon rythme. Donc, comment tu l'as vécu, toi? Je ne pense pas que ça a été une période compliquée. Ça nous a coupé, entre guillemets, sur notre lancée pour la préparation des compétitions, surtout que moi, je m'étais blessé. Donc, j'ai dû revenir en réathlétisation, préparation physique, etc. Donc, ça m'a coupé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû garder le cap qu'elle a à avoir après la fin. Et continuer à m'entraîner derrière, continuer à m'entretenir. Du coup, tu faisais ça chez toi, du coup? Ouais, chez moi. Chez toi. Eh frérot, j'ai jamais été aussi content d'avoir un jardin pendant la période du confinement, frérot. Mais c'est même pas, hein, j'avais le matériel adéquat, donc ça va, je pouvais m'entraîner, etc. Mon coach m'envoyait les séances par mail, on faisait ça bien. Ça t'a pas fait un peu bizarre justement d'être sans ton coach chez toi? Est-ce que tu t'es pas un peu relâché, tu sais? Le coach il est pas derrière toi du coup. Il y a eu relâchement, on va pas se mentir. Mais bon, on a rectifié le tir juste après, donc ça va. Du coup on disait sans hauteur, et donc du coup une question assez simple qui peut peut-être paraître anodine, mais je pense que pour beaucoup de gens on se posait la même question. Pourquoi justement cette discipline, pourquoi le saut en hauteur et pourquoi pas un sport, le foot, le basket, je sais pas. J'ai fait du basket auparavant, tu vois. Okay. Je faisais du basket, tu sais, minime, je dunkais déjà, j'avais un certain jump. D'accord. Tu vois. Okay. Et de là, on m'a conseillé de voir un petit peu ce que ça allait donner en hauteur, en D'accord. saut en hauteur, etc., en athlète. Donc de là, j'ai intégré le club de Beuvrage, tu sais, athlétisme, où là, on m'a appris déjà beaucoup de choses parce que je connaissais rien. Je savais pas comment est-ce que je voyais des vidéos, mais je comprenais pas comment est-ce qu'ils faisaient, frérot, pour passer des barres comme ça, tu vois comment. J'ai appris qu'il fallait avoir une course d'élan en virage pour pouvoir ensuite attaquer la barre, etc. Et de là, j'ai fait ma première compétition. Première compétition, minime 1m91. Donc, premier au bilan. De là, je change de club. Ouais. Du coup, j'intègre l'île Métropole Athlétisme. Okay. Et donc, je fais ma première compétition minime en FFA. Je finis premier avec 2 mètres. On m'annonce après que j'ai le record de la région, de la ligue, etc. De là, c'est parti. Je continue le basket à côté, mais c'est très bien, on peut pas... Est-ce que quand justement tu as vu que le saut en hauteur, bah, tu avais une vraie potentialité, tu t'es dit du coup, le basket, je vais arrêter? Ou alors tu étais encore dans ce doute, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis bon dans ce domaine-là, ouais. Mais est-ce que j'y vais à fond? Ça peut être compliqué quand même de se dire, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue, je fais les deux. C'était ça, je savais pas. Jongler entre guillemets, tu vois. J'ai attaqué mes entraînements toute la semaine. J'étais en section sportive, ça veut dire on avait des compétitions, on avait entraînement tous les jours. Je rentrais le week-end parce que j'habite sur Valenciennes. Ouais. Donc je faisais des Valenciennes-Lille. Et en rentrant le week-end, étant donné que j'étais toujours licencié dans mon club de basket, à Beuvrage, ouais. Ça veut dire je rentrais, j'enchaînais par un match. Tu vois, donc match le week-end, je revenais la semaine, entraînement d'athlétisme. Finalement, il n'y avait plus d'entraînement de basket. Donc, c'est fait logiquement mesure, après, ouais, tu t'es dit. Mesure, ouais, c'est ça. J'ai forcément dû faire un choix. Ça a été vu avec le coach, clairement, il m'a dit je pouvais pas faire les deux. Il fallait faire un choix et le choix, il a vite été fait. Je pense qu'il y a un événement qui a été marquant dans ta carrière de sportif, c'est quand tu as été sélectionné en équipe de France. Est-ce que tu pourrais justement revenir sur ça? Comment ça s'est fait? Mais également ta réaction quand tu l'as su. Je t'explique, j'avais le championnat de France cadet, championnat de France cadet estival. Mon coach, là, il me dit clairement. Tu veux ta première sélection en équipe de France, il va falloir faire premier. Cash, il me l'a dit. Ouais. Donc déjà que j'étais déter. Puis il m'annonce que derrière il y a une sélection, etc. Là, pas le choix. Je fais le championnat de France, je termine premier.
On m'annonce, le DTN m'annonce que j'ai été pris, j'ai été sélectionné pour les championnats d'Europe de ma catégorie. Ok. En Hongrie, à Győr. En équipe de France, En d'accord. équipe de France, c'est ça. En équipe de Et donc, du France, coup, en la Hongrie. réaction, c'est quoi? En C'est fait, des c'est pleurs. des pleurs, c'est un cri de joie, je sais pas, mais. Un cri de joie. Donc, en fait, c'est un tout, en C'est un fait. tout. Pas de pleurs, hein. Mais t'as capté. Après, tu peux pleurer de joie aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était de la joie. T'es heureux d'annoncer ça à ta famille, etc., à ton entourage. Et c'est une réussite. C'est une réussite, première sélection en équipe de France. Et ces premières sélections, généralement, tu les oublies pas. Ouais, C'est normal. des événements qui te marquent à vie. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire, allez, un événement ou une anecdote marquante que vraiment un truc qui t'a marqué ou quand tu es rentré chez toi, tu t'es dit, punaise, ça, franchement, ça va rester à vie. Tu vois, en équipe de France, justement, pour ta première sélection. Mon podium. Mon podium. Ouais, bah, je pense que Ah, le ouais, normal, ouais, logique. ok. Mon podium en bah, au championnat d'Europe, où je termine deuxième. Et Incroyable. c'était. Ouais. Pour une première sélection, Ouais, non, deuxième. franchement. Sur le coup, je bats mon record. Puis la pression que j'avais, ah, je te mens pas. Parce que si tu veux, c'est ça se fait en montée de barre, etc. Donc Et c'est donc on progressif en fait, adore. c'est ça? C'est ça, c'est progressif, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc t'as les montées de barre, soit on monte 2-3 en 3, 2 en 2, etc. Ça Ouais. change en fonction des concours. Donc là, t'as le mec qui est devant moi, qui a un record plus haut que moi, etc. Il avait un record à 2-10. C'est-à-dire, moi j'avais un record à 2-6. Là, la barre elle monte, elle passe à 2-8. 2-8, là mon coach il me dit clairement, Faut le faire. faut le faire. Faut le Il me faire. fait, tu te poses pas de questions, tu y vas et ça va porter ses fruits. Et du coup? Et donc t'as 3 essais, je rate les deux, je passe le troisième. Lui, il passe le au deuxième essai, t'as capté, donc il est devant moi. Et donc ensuite il rate les 3 autres essais. À la barre, elle était à 2-10. Barre 2-10, il rate les 3 essais. Et donc moi j'avais le dernier saut. Parce que si tu veux, c'est chacun son tour. J'avais le dernier saut. Ouais. Donc lui, il avait déjà raté ses trois. Et à Ok. ce moment-là, Tu te dis ça y est, c'est mon tour là, ça y c'est est. ça, je me dis. Soit je la passe, je finis premier. Ou soit. Soit, voilà. Donc là, je pense que j'avais trop de pression. Justement, j'étais trop stressé. Mais un peu d'adrénaline aussi peut-être quand même, En fait, c'est forcément. un tout, c'est un Ouais. tout. C'est un tout. Et c'est ce qui a fait que bah, après, j'ai pas pu gérer. Mais franchement, je suis bien, bien content d'avoir fini deuxième pour ma première sélection. Et Mais c'est. incroyable. Non, franchement, c'est quelque chose. Que maintenant on va parler un peu de la médiatisation et de la valorisation de ce sport, de cette discipline, le saut en hauteur. Qu'est-ce que tu en penses toi justement? Est-ce que tu penses que c'est pas assez mis en valeur? Est-ce que tu aimerais bien que ça soit plus exposé? C'est Pas une discipline, on n'en parle pas tous les jours. pas. Même à la télé, tu regardes l'équipe 21, c'est jamais diffusé, tu vois. Donc toi justement, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Bah là justement en parlant de l'équipe 21, il y a eu un accord entre du coup la FFA et l'équipe 21. Là les derniers championnats de France ils ont été diffusés sur l'équipe D'accord, ok. 21. Marché, attends. Ensuite après c'est pas que ma discipline, tu vois, c'est l'athlétisme En soi. en soi, tu Ouais, vois. j'ai Parce qu'en compris. soi si t'as la diffusion de l'athlète de l'athlé un moment, tu vas forcément Du avoir saut en hauteur et quelque chose etc. d'autre. Ok. plusieurs disciplines. Après ouais c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de chaînes TV etc. sur notre sport etc. Ouais, normal. comme plein de sports mais là franchement ça commence à se faire bien comme il faut donc Mais du coup, toi, c'est pas une frustration, je pourrais dire, de. En fait, je me mets dans la place de la peau d'un sportif et je me dis, je fais une discipline tous les jours, je m'entraîne, je travaille très dur justement pour arriver à un haut niveau. Et en fait, on me diffuse jamais à la télé, alors que les autres sports, ils font rien, ils sont diffusés. Dès qu'il y a un scandale, tout le monde en parle. Alors que, par exemple, des fois, il y a des scandales dans le foot, on s'en fout. Et inversement, vous faites des exploits, ça serait plutôt intéressant de mettre ça en valeur. C'est ça en fait. Ça peut être frustrant. En fait, en parlant du foot, justement, tu peux pas commencer à comparer le foot à l'athlé niveau média. On sait tous très très bien que le football, Après, c'est le premier sport c'est français, ça. donc Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est sûr. médiatiquement en parlant, tu peux pas comparer ça. C'est plus, si tu veux, lors de gros championnats, etc., qui seront mis et diffusés, etc., sur plusieurs chaînes TV. Ouais. Ça, par contre, les gros championnats, etc., ça, y a pas de doute ou de question à se poser. C'est diffusé. Et Diffusé. là, par contre, t'as du monde qui regarde. Après, nous, c'est à nous, du coup, athlètes, de se préparer pour ce genre d'échéance, Pour pour être au pouvoir top, après, au justement top, aussi, ouais. pour pouvoir après, derrière, passer et mettre en valeur notre sport et se mettre en valeur nous-mêmes aussi. Du coup, toi, t'es déjà passé en télé Ouais, je suis déjà passé à la télévision, je suis déjà passé sur Eurosport, France TV, ben, Sport. Ouais, français de sport, ok. Ouais, c'est ça. On fait des performances, etc., lors de certains championnats qui nous permettent après de se qualifier. Ouais. Et donc c'est à partir de là qu'on fait les minima et qu'on peut participer à ce genre de grands championnats qui vont derrière nous mettre en valeur Mettre en valeur. et nous booster sur plein d'autres choses, les réseaux, etc. Justement, mais si j'ai bien compris, ce que tu Ouais. nous dis là, c'est qu'en fait, pour être diffusé quand on fait de l'athlé, il faut en fait attendre les grandes compétitions pour vraiment être diffusé. Autrement, sinon, tu n'auras pas ta place à la télé, quoi.
En gros, bah derrière, en fait, si t'as pas de, si tu fais pas de grosses compétitions, c'est que derrière aussi, ton niveau, il est pas, t'es pas à un niveau, etc., international vraiment, qui va te permettre après de faire parler de toi, etc., tu vois. Si tu perfs, etc., et que tu montres que t'es là, Forcément, on tu va perfs, parler de tu montres que t'es toi. là, forcément, on va parler de toi. D'accord. Et ça, c'est un peu comme dans tous les Dans sports, tous on les va pas sports, se ouais, mentir, ouais. c'est vrai. Ouais, donc, du coup, le saut en hauteur, l'athlétisme, est-ce que pour toi, on peut dire que maintenant, ça y est, c'est un métier? Ou est-ce que pour toi, c'est pas encore vraiment un métier parce que, je sais pas, t'as pas encore assez les revenus suffisants? Ou alors, tu prends. Je dis pas que tu prends pas ça au sérieux, mais peut-être que pour toi, c'est encore juste une passion, tu vois, et tu t'es pas mis ça dedans à plein temps. Ben, je vais pas te mentir, là je prends ça. En gros, là ce que je fais là, c'est à... je mène un double projet, tu vois. D'accord, ouais. Donc, c'est-à-dire que à côté, j'ai mes cours, etc. En athlète, ce qu'il faut, c'est en fait avoir une bonne carrière, etc. Et donc, du coup, avoir un entraînement, enfin des entraînements adaptés, etc. à ce que tu fais à côté. Après, tu as certains athlètes, eux, qui se consacrent vraiment qu'à l'athlète et qui vivent de ça, etc. Mais moi, j'ai voilà, là j'ai 19 ans, etc. J'ai l'opportunité, bah, j'ai passé mon bac et là maintenant, je suis en études supérieures. Et donc là, on essaie d'adapter du coup l'entraînement à mes cours, etc., pour que je puisse être bon dans les deux, tu Dans les vois, deux domaines. avoir un, voilà, c'est ça, c'est d'avoir un bon niveau, donc sportivement, etc., Et et scolaire derrière, également, un voilà, bagage histoire d'avoir un scolaire. bagage, parce qu'en fin de carrière, certes, tu auras amassé, etc., que tu peux plus sauter, continuer à sauter, faire des perfs comme Forcément, tu les faisais à un certain âge, tu vois. moi, ouais. Donc au bout d'un moment, il faut avoir un bon bagage pour pouvoir derrière, après, reprendre, etc., normalement. Et avoir eu du coup une carrière, une grande carrière, hein, je l'espère, qui va après permettre aussi à l'avenir de pouvoir me lancer, etc., dans plusieurs bonnes Mais choses. du coup, justement, sans parler de chiffres, est-ce que quand même ça, tu peux dégager des revenus avec ce que tu fais? Tu peux dégager des revenus, Avec les compétitions, voilà, j'imagine. c'est ça, Les médailles, les de récompenses. plusieurs compétitions, etc., qui rémunèrent du coup derrière les athlètes. Après, ça dépend des athlètes, mais tu vois, tu as des partenariats. Ok. Moi, je suis en partenariat, exemple, avec la MEL, Métropole Européenne de Ouais. Lille, et les sponsors aussi, les sponsors qui est très J'imagine. important. Après, un bon club aussi derrière, un bon club. Moi, je me plains pas avec mon club. Donc, là, je suis au Lille Métropole Athlétisme, hein, comme je te l'ai dit. Et donc, c'est ça, club, partenariat, sponsor, Sponsor. compétition, etc. aussi. T'as des compétitions spécialement dédiées, du coup, bah, c'est les plus grandes compétitions, en fait, de l'athlète, qui, elle aussi, rémunère aussi très bien derrière les athlètes. Mais Ok. après, il faut avoir le niveau, etc., pour pouvoir y participer, etc. Et donc là, comme je t'ai dit, c'est question de travail et de performance. Voilà. On va faire un bref retour. Est-ce que tu pourrais nous dire tes différents titres, justement, et les différentes récompenses que tu as eues? Alors, j'ai commencé l'athlé, j'ai du coup minime record de la ligue, record régional. Donc ensuite, j'enchaîne en cadet, en salle, championnat de France, ouais, cadet en salle, champion de France. Championnat de France cadet extérieur, champion de France aussi. Ouais, champion de France cadet 1, parce que t'as deux, en cadet, t'as cadet 1, cadet 2. Donc voilà, ça c'était cadet 1. Cadet 2, championnat de France en salle, premier aussi. Donc ça c'est national. International, après j'ai participé au championnat d'Europe du coup cadet. Donc je fais deuxième. Ensuite j'ai eu une sélection pour les championnats d'Europe, toujours cadet aussi. Et je finis cinquième. Mais bon, Ok. ça m'a permis de me qualifier aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. Tout de même. Ensuite, j'ai aussi participé à un match du coup européen qui se fait entre plusieurs pays, Ouais, ok. qui a été fait à Istanbul, en Turquie. D'accord. Donc là, on finit premier par équipe. Et justement, est-ce que durant ces compétitions, comment tu les ressens, les compètes? Et est-ce que tu n'as pas des fois des difficultés justement à partir très loin dans un autre pays et faut s'habituer quoi à ce genre de vie, voyager Ouais. beaucoup, etc. Tu parles de, en gros, se séparer de la famille, etc. En gros, Ouais, de c'est ça, voyager, c'est partir ça? loin pendant longtemps dans un autre pays que tu connais pas, je sais pas, tu vois. Bah, la famille, ils sont plus. C'est compliqué, peut-être un petit peu pour eux, etc., même pour moi. Mais ta famille, elle est fière de toi. Tu J'imagine. fais des voyages que tu aurais peut-être jamais pu faire avec sans ce sport, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui fait la beauté du sport aussi, le voyage. Et donc justement, on va s'arrêter sur un point particulier. Yes. Buenos Aires, c'est quoi ta réaction quand t'as su que t'allais là-bas? J'imagine que c'est pas tous les jours qu'on y va et en plus c'est quand même particulier. C'est ça. C'est une ambiance assez particulière. Que j'ai Tout à fait fait. là-bas, c'était pas trop ouf et ça va pas vraiment satisfait. Ouais, ok. Mais l'expérience en elle-même, L'expérience unique. elle est unique. Elle est unique. C'est les Jeux Olympiques de la jeunesse C'est ça. qui se sont faits à Buenos Aires en Argentine. C'était tout le monde en parlait. Il y a beaucoup de chaînes TV, etc., du coup là qui en parlaient, comme on a parlé de la médiatisation. D'accord, ouais. Justement parce que là c'était une grande compétition, c'était les Jeux Olympiques de la jeunesse où tu n'avais pas que l'athlétisme, du coup tu avais plusieurs sports, c'est olympique, du coup les sports olympiques. Et non, c'était une expérience
Incroyable, incroyable. On était plus de 4000 athlètes dans un même village, tu vois. Dans un même village. Ouais, c'est la vie olympique, quoi, en fait. C'est la vie C'est ça, t'as un olympique. village olympique avec plusieurs délégations. Du coup, c'est ta plus belle expérience, on est C'est ma d'accord. plus belle expérience. Après, ça joue aussi avec ma première sélection en équipe de France, comme je t'ai dit. Donc ouais, ça joue entre ces deux-là. On parlait justement de tes différentes compétitions, tes différentes réussites. Mais là, on va aussi un peu parler des échecs, parce que la vie d'un sportif, c'est faire des réussites, mais aussi des échecs. Et c'est Mohamed Ali Ben Labib qui est en bout de piste. Comment toi tu gères les échecs justement? En parlant d'échecs, exemple, hein, les championnats de les Jeux Olympiques de la jeunesse, où j'ai pas vraiment été au top, quoi. Au top du top. En fait, je me suis dit que c'est un mal pour un bien, en fait. Tu vois, en fait, c'est la plupart du temps ce qu'on se dit le plus souvent, les athlètes. C'est que c'est un échec qui va nous permettre après derrière de rebondir. Encore mieux, d'être encore mieux. Exactement. Apprendre de ses erreurs, etc. C'est ça. Donc moi, c'est comme ça que je les prends, les échecs, et ça me permettra après à l'avenir de pouvoir faire mieux, quoi. Et justement, donc toi, tu pourrais dire que les échecs, c'est ce qui fait un peu ta force, c'est ce qui forge. Parce qu'après chaque échec, tu te remets en question, tu dis ouais, qu'est-ce qui va pas, etc. Tu vois, tu revois un petit peu ta technique, tu te reposes des questions sur ta façon de t'entraîner, ton quotidien, qu'est-ce qu'il faut que tu t'améliores, etc. Ce qui va te permettre après derrière de mieux perfer. Et de partir vers l'avant. Et... C'est ça. Mais justement, donc là on parle des échecs, mais bien sûr ce qui fait qu'un sportif comme toi est connu et reconnu, c'est les réussites. Et moi j'aimerais m'attarder sur un point particulier, c'est quel est le rôle de ton entraîneur d'abord dans ta réussite et le rôle de ta famille après. Mon entraîneur, c'est lui qui m'a tout appris, hein. C'est lui qui m'a emmené jusqu'où j'en suis là maintenant. Donc sans lui, j'aurais pas pu battre mes records. Et avoir aussi le mental que j'ai en compète, qui me permet aussi du coup des fois m'en sortir en faisant de bonnes perfs, etc. En fait, c'est un tout, l'entraîneur, il est derrière toi mentalement. Et aussi, après aussi, t'as aussi derrière la préparatrice mentale, etc., qui intervient. Mais l'entraîneur, il a un très gros rôle, parce que c'est lui qui va en gros t'apprendre, entre guillemets, te dire quoi faire pour pouvoir perfer, ouais, bien sûr. Ouais. Faire les meilleures perfs, et améliorer ce qui va pas. Donc sans lui... Et ça, un peu, je te coupe, c'est un regard extérieur aussi. Est-ce que toi, des fois, tu peux pas savoir aussi qu'est-ce que tu fais de bien ou C'est de ça, mal? c'est ça, en fait. Tu Lui, vois, il connaît, ouais. je vais partir, je vais sauter, je vais faire. Tu sais, je vais me sentir grave à l'aise, ouais. dire là, c'est bon. Okay. Il va venir, frérot, il va. C'est ça. Il va me redescendre sur terre, il va me dire, il n'y a rien qui est bon. Tu vois, il n'y a rien qui est bon. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Si t'as pas ça, t'as pas ça, tu réussiras pas à faire ça. Je te disais au début, quel est le rôle aussi, peut-être, de la famille dans ta réussite? L'entourage, la famille, l'entourage, il est énorme aussi, le rôle. C'est ce qui va te pousser au quotidien, en fait, à réussir, te pousser au quotidien à avoir un mental aussi, à avoir, tu sais, des objectifs. Tu dis, tu fais ça, tu participes à ça, pour qui? Pour, tu vois, ton entourage, etc. Tu veux réussir. C'est derrière, on est une sorte de fierté, en fait, pour la famille. Justement, quand tu es parti du basket, on en parlait tout à l'heure à ça, est-ce qu'ils ont compris au début? Ouais, clairement, Ouais. clairement. Mais Okay. justement, pas qu'il y a mon père aussi derrière qui m'a. Lui, il avait toujours en tête la clé. Pour lui, c'était, il n'y avait pas de questions à se poser. Je devais rester dans la clé, faire ce que j'ai à faire, me concentrer. Voilà, j'ai mes objectifs, etc. Et c'est comme ça que je réussirai. Et il a pas eu tort, etc. Le soutien a fait que j'en suis arrivé là Donc aussi. justement, en fait, je pense qu'on peut dire que la famille et l'entraîneur et tous les coachs, c'est complémentaire, en C'est fait. C'est vraiment complémentaire. complémentaire. C'est ça, en fait. C'est complémentaire et c'est... C'est deux Deux points points de vue de... différents, C'est ça, mais... c'est bien ça. L'exemple, je vais partir en compétition, je vais partir en sélection ou quoi, Ouais. ils vont être derrière moi. Ils vont derrière moi, ils sont derrière l'écran, C'est ils seront là à me pousser, Et toi, tu le sais etc. indirectement C'est qu'ils ça, sont je là. sais. Tu vois, donc du coup, là, je suis là, derrière le sautoir, devant le sautoir, je me dis, tu sais, je dois passer Tu le vois bar. ça? Non, Ouais, c'est ça. pas pour avoir du coup une bonne perf, etc. et faire un podium ou quoi, mais derrière aussi, je sais qu'il y a la famille qui me regarde. Tu vois, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent, etc. Mon entourage, mes proches. Et je sais que je fais pas ça seulement pour moi. Est-ce que tu as fait des rencontres sportives ou extra-sportives qui ont été marquantes pour ta carrière? On a parlé de ton entraîneur, de ta famille, mais je sais pas, tu as peut-être rencontré certains athlètes qui avaient une expérience que toi tu n'avais pas et qui t'ont amené à être encore meilleur, ou même extra-sportives qui t'ont poussé vers le haut. Pas de vraiment haut niveau, etc. Pas vraiment encore.
Mais ça va bientôt se faire là justement. Il y a la structure dans laquelle on a le Krebs, etc. Krebs, qui vont s'occuper du coup de bientôt peut-être faire venir un athlète très connu qui s'appelle Stéphane Holmes. Ouais, okay. C'est un athlète qui a fait 2m40. Donc il a un niveau international. Il a participé aux Jeux Olympiques, championnats du monde, etc. C'est très important aussi pour l'athlète qui lui n'a pas encore rencontré d'athlète qui vont lui permettre de progresser. C'est un exemple en fait un peu. C'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est de pouvoir prendre des petits conseils par-ci, par-là, qui vont faire que derrière l'athlète va pouvoir réussir quoi. En fait, on s'inspire des grands un peu dans le sport, c'est ça. Grand, c'est ça. Donc les conseils du coach, ils sont tout aussi bien que certains conseils de sportifs de niveau qui viennent de l'étranger, tu vois. Exactement. Toujours bon à apprendre pour le coach et pour l'athlète. Mohamed Ali, on arrive déjà au terme de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? C'est quoi tes prochains objectifs, tes différentes ambitions? Et l'objectif principal qu'on a toujours en tête, c'est les Jeux Olympiques en 2024. Je voulais t'en parler justement, c'est Paris. C'est ça. C'est ton objectif du coup. C'est ça. Ouais. On espère du coup y participer, on fera tout pour. Hein. C'est l'objectif. Franchement, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Sincèrement, t'es un athlète qui a gravi les échelons, qui est parti un peu partout pour justement défendre le drapeau tricolore. Mais également, t'as représenté justement la métropole lilloise parce que t'es directement lié avec cette métropole. C'est ça. Et tu t'en caches pas, et le Krebs aussi également. Ouais. Donc on te souhaite les JO Paris 2024. C'est ça. Peut-être on va retrouver Mohamed Ali là-bas, ça serait un objectif. Ouais, merci en tout cas beaucoup pour l'interview, de nous avoir accueillis ici au Krebs à Ouattini. Très belle structure en tout cas. Normal. On va passer aux choses sérieuses. On va voir un peu de quoi t'es capable. Et vu que tu vas faire les Jeux 2024, faut nous montrer un peu là. Petite démonstration. On teste changer. Tu nous montres ça. Là, ça doit être bien bon. Ooh.